Ensemble, ils sont presque en parfaite synchronisation. Mais l'exigence des relais par équipe nécessite la répétition des mouvements afin d'être le plus précis possible dans les passages de témoins. Médaillées d'argent en 2015, les filles du relais 974 apprennent encore à se connaître, à toujours mieux se coordonner. On s'entraîne déjà depuis un petit moment maintenant. Et on ne se connaît pas encore intimement, mais ça commence à venir. On a beaucoup travaillé les passages et on espère que ça le fera au moment venu. On arrive quand même à gérer nos passages, même si on ne s'entraîne pas régulièrement ensemble, mais pour l'instant tout va bien. Avec une personne en particulier, je me suis déjà beaucoup entraînée, ce qui fait que j'ai l'habitude pour le moment avec les passages, mais par exemple avec Lila ou Emma, même si on ne s'est pas entraîné depuis des années, ça se passe quand même bien. Vous pensez là ou pas ? Bah toujours, quand on fait une compétition, toujours on pense à la première place, mais si on n'est pas première, on essaiera de se contenter de ce qu'on a, et puis on participe, c'est le principal. Même état d'esprit et même quête de précision pour les relayeurs masculins. En l'absence du leader Yann Randrenasolo, les autres mettent de la vitesse dans un gros travail de cohésion. C'est sûr qu'avec une bonne cohésion, c'est très important pour avancer. Après, on est tous sur la même longueur d'onde. On va partir vraiment à la gagne pour on va tout donner pour représenter la région au mieux. On sait qu'on sera sur un terrain hostile. Donc on va là-bas, on va pas jouer. Quoi. Il faut aller surtout chercher sa place et tout faire. Pour le moment, pas d'objectif en particulier, mais nos limites, on va dire. Hein, donc on va y aller à fond. Une ambition susceptible d'être contrariée par toute la pression du contexte mauricien, mais le coach a la solution. On sera peut-être 4000 spectateurs tous les jours, donc il faudra bien se concentrer avec les relayeurs, bien les motiver, surtout ne pas regarder à l'extérieur, ne pas écouter ce qui se passe à l'extérieur. C'est une des clés d'un succès possible, mais sur la piste, il se vérifiera avec la qualité des passages de relais.